Mais je m'insère on va se faire à la crête, là. Tu vois la crête que l'on voit. Cette crête que l'on voit, tu vois, après on rentre dans le bois, on voit le bois. Je prends des fois un de mes enfants. On voit le bois qui est là. Et on va continuer, on va descendre, sur ce versant de la crête. Et on va retrouver des petits chemins par là et on va tirer sur le grail. On va tirer sur le grail. Voilà ce que j'avais prévu. C'est pour ça que je suis sorti hors sentier. Non, j'ai pas de panier. Yurus. On est à 2047. Et la prochaine, elle va sur GPS. Et c'est 2048. Le pic d'Andron, c'est là-dessus. Oui, là, on l'a arrondi parce qu'elle est arrondie. Et quand tu montes là dessus, tu fais quoi? Mais là, je veux passer par là, oui. Tu suis la crête là, et tu montes. Ah, il m'a dit non, je suis la crête là. Ah, d'accord, c'est pas grave. Alors, soit on monte par là, soit on monte direct par le stade de neige. Ah, ouais, c'est vrai. On doit se rappeler. Et donc, on va reprendre la petite piste forestière. On va arriver jusqu'à la crête que l'on voit ici, la crête que l'on voit avec le bois qui est en boule là-bas. La quête de la Calvière, et on va laisser le chemin il continue par là, il fait une grande boucle, il revient sur le col de Grail. Pour quel intérêt, on va passer par la crête, on va faire un bout de crête, ça va être bien pentu, bon, on va aller sur ce versant là, et on descendra en direction du col de Grail. À l'estime. Aujourd'hui c'est une sortie au sentier. La cabane est là, tu l'as au col de Grail, le refuge forestier. Et après on va au refuge, on va refaire ce petit bout de chemin. Oui, elle continue toujours par. Là on est sur le verdis. On va arriver là. Là on va continuer comme ça. Allez, on peut venir là. On va rattraper la route. Ah oui, voilà. Et donc on va la rattraper. Moi je me dis que ces trucs comme ça, c'est pas très haut. C'est pas très haut. Enfin, c'est pas très haut.